quand même fou, non? Nos retrouvailles, tous ces hasards. J'ai trop envie de te faire découvrir un endroit. On part en amoureux. Oh, mais c'est génial! C'est un petit cabanon de famille, au milieu de la nature. On attend sans piscine, sans resto, sans cocktail. Room service! Quand je suis arrivée, elle était en train de fouiller dans les tiroirs. Sylvia. Non, mais. Oh. Ces feux vont continuer à s'étendre parce qu'ils ne sont pas le fruit du hasard. Ça, plus les empreintes digitales, pour moi, c'est pas compliqué. Le pyromane, il fait partie de la secte. Tant que les gens n'élèveront pas leur conscience, Marseille connaîtra le brasier sacré. Bah, je voulais te parler parce que j'arrête pas de repenser à la dernière fois. À qui tu parlais au téléphone? Vous aviez quand même l'air hyper proche, hein? Arrête d'essayer de bousiller mon histoire avec Justine, d'accord? Je sens qu'elle cache un truc. Quand je l'ai vue, elle a passé un coup de fil hyper chelou. Et j'ai l'impression que c'était son amant. Je veux voir où ça mène. Justine. Olivier. Bon, mon chéri, oh! Dépêche-toi, là, tu vas être en retard pour la plage avec le centre. Tiens, tu fais tout son sac, il y a la casquette, la gourde, la crème solaire, il y a tout ce qu'il faut. Merci. Tu vas prendre un café? T'as oublié comment tu m'as saoulé avec Justine, non? Sauf que j'ai bien fait de la suivre. C'est quoi que tu m'as envoyé? Bah, regarde. C'est Jourdan, ça. Tu connais ce type? C'était où? C'était quand? C'était vendredi. Mais tu sais qui c'est? C'est le gourou d'une secte, mais il a rien à voir avec Justine. C'est pas ce que tu crois. Ah, ok. Pourquoi tu fais cette tête-là, alors? Je fais cette tête-là parce qu'on pense que c'est lui qui allume tous les incendies criminels dans la région et que voilà. Ça te va comme ça, là? Ah ouais, non mais attends, ça voudrait dire que... Enfin, elle pourrait peut-être être sa... De quoi, sa complice? Mais non, l'interroger une fois. L'interroger? C'est un peu le boulot des flics, ça, quand même. Enfin, je sais pas vraiment, en tout cas, il l'attendait, c'est sûr. Mais tu veux pas arrêter avec tes suppositions de merde, hein? Tu vas lui demander une explication, quand même. Bon, Mathis, papa, il t'attend dehors. C'est cool, les conversations avec toi.